Shalom à tous, alors bienvenue au Beit Midrash de Natania, nafshi.fr. On continue le cours de l'amour d'après le Ochot Tzadikim. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est 44 en bas. Et là les amis, on a parlé de l'amour de son conjoint, on a parlé de l'amour des enfants, on a parlé de l'amour des parents, les frères et sœurs. Et là on va parler de quelque chose d'exceptionnel, l'amour de chaque juif, qu'on doit avoir pour tous les juifs. Alors regardez, Yesh Toelet, il y a un grand intérêt. Pour celui qui se conduit toujours bien, qui est toujours gentil, qui aide tout le monde, il est aimé par les gens. Alors il y a deux intérêts. D'abord, dans ce monde-là, il y a un grand intérêt. Quand tu te conduis avec amour, avec gentillesse, avec tout le monde, et bien premièrement, il y a Zroa Kol, tout le monde va t'aider. Tu as besoin de quelque chose, tout le temps quelqu'un pour t'aider. Et même si l'Oalénou, Ipol, même si la personne elle tombe, elle a une grande épreuve dans la vie, comme tout le monde l'aime, tout le monde va l'aider et ce sera plus facile pour lui de remonter. Il y a moins d'Adam Nekdo, et si quelqu'un veut se quereller avec lui, tout le monde va l'aider. T'as pas honte? Comment tu parles du Lashon Hara sur cette personne? Elle est tellement extraordinaire. Donc quand toi, tu aimes tout le monde, tu aides tout le monde, tu aimes tous les juifs, et automatiquement, les gens vont te le rendre. Im tavo alaftara, et si t'as l'Oalénou, une souffrance, et tout le monde va prier pour toi. T'es malade, tout le monde va prier pour ta refoua chez l'Ema, etc. Et même si la personne a une grande épreuve, les gens l'aideront. Donc les amis, on ne doit pas le faire pour ça. On doit savoir que c'est comme ça. Les gens qui aident, qui aiment tout le monde, qui sont toujours à l'avenant, ils sont également aimés et on va les aider. Ça, c'est le premier intérêt. Mais il y a un autre intérêt, Tohelet Olamaba. C'est même bien pour ton monde futur. Pourquoi ? Mihama Tchounav, l'école. Étant donné que tout le monde t'aime, quand tu dis quelque chose, les gens t'écoutent. Viecholet Beado. Et donc ça te permet de réprimander les gens. Quand on dit réprimander, dans le bon sens, c'est comme les gens t'aiment. Quand tu dis aux gens, tu sais mon frère, c'est pas bien ce que tu fais, t'as pas le droit de faire ça, tu sais, tu te rends pas compte, mais c'est du Lashon Hara de dire ça. Comme les gens t'aiment, ton influence est plus grande. Et donc tu vas gagner plein de mitzvot. Alors que quand les gens t'aiment pas, tu peux faire une remarque à quelqu'un, personne ne t'écoutera. Vega mitoch hava yamod beshalom. Et comme tu aimes tout le monde, tout le monde sera en paix avec toi. Et donc tu seras tranquille pour étudier la Torah. Les gens qui sont en guerre, il y a des gens comme ça, malheureusement c'est une maladie, il y a des gens, ils ont besoin d'être en guerre avec tout le monde. Ils sont en guerre, leur farmée, tac, tac, ils sont tout le temps en guerre. Ces gens-là, ils ne sont jamais tranquilles, ni dans ce monde-là. Et ils n'ont pas la tranquillité pour pouvoir étudier la Torah. Donc ils ratent ce monde-là et le monde futur. Donc on voit qu'il y a deux intérêts. Ou baiser derrière Yagyadan la Vatkoda. Maintenant, regardez un passage exceptionnel. Comment on peut arriver à aimer chaque juif? Chaque personne. Comment? Peu importe sa kippa, qu'il ait une kippa, qu'il n'ait pas de kippa, comment on peut aimer chaque personne? Regardez. Askilecha, réfléchis. Yazor benacho bemabono kefecholto. Regardez. On doit aider chaque juif. Et c'est bien qu'on fasse ça juste avant Tisha B'Av, parce que le temple a été détruit, la haine gratuite. On répare par l'amour gratuit. D'abord, on doit aider chaque juif. Aider de quelque manière que ce soit. Ça peut être avec ton argent, ça peut être avec ton corps. Ezer benacho et charet, tu vas aider quelqu'un. Ani, que ce soit le pauvre ou le riche. Alors, Ezer bemamono, avec ton argent, tu vas prêter. Si quelqu'un a besoin d'argent, tu vas lui prêter. Même un riche, si tu peux lui prêter, tu le prêtes. Un pauvre, tu vas lui faire un prêt. Ivgedou bematana, quand tu peux envoyer des cadeaux, tu peux inviter quelqu'un à manger, tu peux faire quelque chose pour quelqu'un. Tout ce que tu peux faire, tu vas le faire pour aider chaque juif. Et tu vas être vatran, tu vas renoncer. Si quelqu'un te doit un peu d'argent, quelque chose, c'est bon. Tu pardonnes, tu es vatran, tu pardonnes. Et Mesek, si tu fais du business avec quelqu'un, tu es honnête, tu n'arnaques personne, tu dis quelque chose, tu dis une parole, tu respectes ta parole, tout le monde va t'aimer. Tout le monde dit, regarde, il est gentil, il ne s'énerve pas, il est droit, il dit quelque chose, il le fait. L'olam rafet ravero, et tu veux tout le temps que ton ami soit bien. Alishtadel anot, et tu t'efforces de ne pas être un gratteur. Je vous traduis en français, il dit, tu t'efforces de ne pas profiter des autres. C'est que tu essaies de faire en sorte que toi, tu ne grattes pas, mais que les autres te grattent, mais dans le bon sens. C'est que tu vas faire en sorte que toi, tu vas aider, tu vas faire profiter les autres de ton argent, de tes biens, de ce que tu es. Mais toi, tu vas essayer au maximum de ne pas prendre, de ne pas profiter. Dvara benacha, tu parleras gentiment avec tout le monde. Les amis, les gens qui s'énervent, les gens qui parlent mal, honnêtement, venez, on est honnête. On les aime, on ne les aime pas. On n'aime pas les gens coléreux. On n'aime pas les gens qui parlent avec orgueil. On aime les gens qui parlent gentiment à tout le monde. Baisha nadan lova chez nous. Et même si on te fait honte, toi, tu ne réponds pas.
tu sais que c'est une capara, tu remercies Hachem, on t'a nettoyé toutes tes fautes. Même si on va te tromper, tu t'es fait arnaquer par quelqu'un, c'est pas parce que lui t'a arnaqué que toi tu vas arnaquer les autres. On entend des fois ça, ah, tout le monde fait vol, alors moi aussi je vais voler. Chas de shalom, parce que les gens, il y en a qui volent, nous on va voler. Isbot, Savaro, et tu dois supporter les choses de la vie. Loïd Kotet, tu dois jamais te bagarrer avec des gens. Ça aussi, les amis, tout ça, ça va ensemble. Quelqu'un qui est orgueilleux, il parle mal aux gens, il s'embrouille avec les gens, il dit du Lashon Hara. Tout ça, ça va ensemble. Donc toi, non, tu t'embrouilles avec personne. Et même quand tu as quelque chose à dire à quelqu'un, tu lui dis entre quatre yeux, gentiment, des fois fermement, des fois il faut être ferme, mais tu ne vas pas faire une querelle. Tu lui dis le émettre en pleine tête, mais sans lui faire honte, en privé. C'est une mitzvah. Vekabel et kolada besimcha. Regardez, c'est la Mishnah, Shamaï. Je dois recevoir tout homme avec joie, besefer panim yafot, avec le sourire. Les amis, c'est une mitzvah qui est gratuite. Et c'est une mitzvah de la Torah. La Gemara dit, il est plus grand celui qui donne un sourire à son ami que celui qui lui donne du lait. Et les amis, des fois tu es à la synagogue, des fois tu vois des gens rentrer dans la synagogue. Et il y a des fois des gens qui rentrent, tu dis, oulala, je crois que celui-là, il ne faut pas lui parler aujourd'hui. Ou je crois que celui-là, oulala, j'espère qu'il va se mettre loin de moi. Et t'as des fois des gens qui rentrent le sourire, Boker Tov, Mashalom Chem. Et ben nous, on doit toujours s'efforcer d'être comme ça, de toujours avoir le sourire. Et même quand des fois on n'a pas envie de sourire dans la vie, des fois chacun a des épreuves, mais c'est pas grave. Tu sais que tout ce qu'Hachem il envoie, c'est pour ton bien. Et toi, tu fais une mitzvah de chesed. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'être riche pour faire du chesed. Tu peux faire du chesed en souriant à quelqu'un, en écoutant quelqu'un, en aidant quelqu'un, en faisant un café pour quelqu'un. Il n'y a pas besoin forcément d'argent. Il est plus grand ce chesed-là que le chesed qu'on fait d'ailleurs avec de l'argent. Qui a ce barat panim, parce que quand tu souris à quelqu'un, ça renforce l'amour. Vissa veiten, tu vas faire du business avec quelqu'un pour son bien, tu vas le conseiller, viens, je vais t'aider, achète là-bas, n'achète pas là. Tu vas aider, conseiller quelqu'un. Vinachem, si quelqu'un il a peur, tu vas le calmer. Quelqu'un, il a perdu son travail. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail avec le virus. Tu vas le calmer, tu vas l'aider, tu vas le renforcer dans la Emouna. Imgila, si quelqu'un t'a dit un secret, l'eau égalée, tu ne vas pas dévoiler le secret. Allez d'aber à la damra, et tu ne vas pas dire chazé shalom, tu vas parler mal d'aucun juif. L'Ola Mishtadel Imso, et tu essaieras toujours de trouver, de juger l'autre de manière positive. Au Béyoter, et si on s'efforce de faire ça, Az Yaouv, on sera aimé de tous. Regardez les amis, ce qu'il dit, c'est extraordinaire. C'est très simple ce qu'il dit. Mais il a résumé en quelques phrases la misa de Vafta Leracha Kamocha. C'est extraordinaire. Vechabet, tu dois honorer tout homme, tout le monde, du plus intelligent au moins intelligent, du plus riche au plus pauvre. C'est un juif, c'est le fils du roi, c'est le fils d'Hachem, tu dois l'honorer. Loïd Gaé, et tu dois t'enorgueillir auprès d'aucun homme. Achichana, mais tu dois être humble envers tout homme, même ceux qui sont plus petits que toi, tu dois être humble, tu ne dois pas te la jouer. Vakol, et tout ça, tu dois le faire, finalement, l'Eshem Shamaïm. Donc, résumé, les amis, c'est un très. Donc, en fait, vous avez compris, quand on a annulé l'orgueil, c'est facile. C'est l'orgueil qui nous empêche de réaliser tout ça. Mais quand tu as annulé ton orgueil et que tu comprends qu'on est les enfants d'Hachem, qu'on n'est rien dans ce monde, on n'est rien, mais on est tout parce qu'on est le fils du roi. D'un côté, on est le fils du roi, c'est vrai, mais de l'autre côté, on n'est rien dans ce monde. Donc, quand tu comprends ça et tu annules ton orgueil, eh bien, Bémet, tu t'énerves plus. Tu parles gentiment à tout le monde. Tu souris à tout le monde. Tu vas aider tout le monde avec ta tête, avec ton argent, avec ton corps. Et finalement, tout le monde va t'aimer. Eh bien, les amis, quand on se conduit comme ça, eh bien, on gagne ce monde-là, Olamazé. On gagne le monde futur. On répare la haine gratuite qu'a causé la destruction du temple. Et si chacun d'entre nous s'efforce de réaliser ce cours, Bézat Hachem, eh bien, on va mériter très bientôt. La Géoula est le troisième, Bet Amikdash, Bekarov. À très bientôt.